Dernière ligne droite avant le scrutin. Et Benjamin Netanyahou tente le tout pour séduire les Israéliens encore indécis. Le Premier ministre israélien choisit la 12e chaîne locale pour s'exprimer. La journaliste lui pose alors la question : pourquoi ne pas avoir étendu la loi État-nation aux implantations israéliennes ? Une loi adoptée le 19 juillet dernier qui réaffirme le caractère juif d'Israël avec l'hébreu comme seule langue officielle et Jérusalem comme capitale. Qui a dit que nous ne le ferons pas ? Nous sommes sur la voie, nous allons passer à la prochaine étape. En cas de réélection mardi prochain, Benjamin Netanyahou promet ainsi d'étendre la souveraineté israélienne aux implantations juives de Cisjordanie. Je vais étendre la souveraineté israélienne et je ne ferai pas la distinction entre les différentes implantations. À mon avis, chaque implantation est une zone israélienne et est sous contrôle israélien. Le gouvernement israélien étant responsable de ces zones, je ne transférerai pas ces implantations à l'autorité palestinienne. Benjamin Netanyahou s'engage donc à maintenir le contrôle de la sécurité en Cisjordanie et à appliquer l'ensemble des lois israéliennes aux plus de 40 000 Israéliens qui vivent dans les implantations en Cisjordanie. Une nouvelle promesse à 48 heures des élections législatives qui pourra aider le candidat du Likoud. Les derniers sondages donnent Benjamin Netanyahou au coude à coude avec la liste bleu-blanc de Benny Gantz.